je dirais que nous souhaitons que les choses soient concrètement mises sur la table. Pas question qu'on accepte que les présidents de la République, trois présidents de la République successivement, soient écoutés, y compris dans leurs conversations privées. Ça, chacun peut le comprendre. Donc voilà, le mot d'ordre, et bien sûr, comme ça doit être, entre alliés, il doit y avoir une certaine confiance. Quand ce type de pratique se développe, ça porte atteinte à la confiance, et c'est quelque chose qu'il faut prendre très au sérieux.